Mais à soi, je m'ai choisi partager une non bagaille que mon Dieu t'a communiqué pendant tant de jeûnes prolongés, ça, avec. Et peut-être, c'est une bagaille qui est plus important. C'est une bagaille qui est plus important. Et bien que mon Dieu t'a communiqué pendant tant de jeûnes, ça. Donc, c'est pas dans ta fait 40 jours l'église là. Dans une semaine, pendant nous t'a fait en mois de juillet, pendant tu gain 40 jours pour l'église là, et m'entendais la voix de Dieu qui te dit comme ça, allez pour un temps de jeûne prolongé. Un temps de jeûne prolongé en Haïti et ma palavre. Donc c'est seulement ça bon Dieu te dit. Il te dit après 40 jours là, allez dans la présence moins pour un temps de jeûne prolongé et puis m'a parlé avec vous. Donc pendant ça, bon Dieu, communiquer plusieurs choses. Première semaine, dans le temps de jeûne prolongé, ça, c'est seulement en réalité les règles du jeûne que bon Dieu t'est pas moins. Donc, le wap fait type de jeûne prolongé, ça, yo gen règle pa yo, yo gen yon façon que jeûne ça yo fait. Donc, bon Dieu prend à peu près une semaine pour te ba moins les règles, comment pour le faire selon les règles. Et dans la deuxième semaine, non, bon Dieu commence à parler avec. Maintenant, premier bagage que bon Dieu te dit pendant tant de jeûne, ça, bon Dieu commence avec une question que tu as toujours gagné. Une question que m'étais toujours gagné pendant longtemps. Et pendant longtemps, m'étais posé, bon Dieu, question ça dans la prière. Pendant des années, m'étais posé, bon Dieu, question ça dans la prière. Même pas de jamais senti que le débat, pas de jamais senti une réponse satisfaisante. Une bagaille que m'étais demandé, bon Dieu, pendant des années, m'étais dit, Seigneur, parole ou dit, parole ou dit pour nous prier pour les malades et yo gen pour yo guéri. Parole ou dit prier pour malades yo et puis yo va guéri. Même dit Seigneur, ça c'est sorti dans parole ou et nous croyons parole ou. Non seulement nous croyons dans parole ou, mais nous agissons sous parole ou. Plusieurs fois à l'année, une fois chaque mois, et chaque temps nous avons un événement spécial. Nous avons des soirées spéciales de guérison. Donc, nous te dit Seigneur, et ou dit dans la parole pour prier pour les malades ou guérir. Et nous avons de grandes guérisons dans le tabernacle de gloire. Et à travers également famille Shekina, moun ki la kayo kap tande et puis kap guéri, grand pile témoignage. Même dit Seigneur, m'remercie pour témoignage yo, m'remercie pour guérison yo. Mais comparativement à Sam Konon Kafe, Je me sentis un blocage. Je remercie pour tout ce qu'on fait déjà. Mais comparativement à ça, qu'on a fait, moi-même, je ne suis pas satisfait pour ça. Même pas satisfait comparativement à sa grandeur, à la quantité et qualité. Et guérison qu'on a fait pour qualité bon Dieu que qu'on a ou qu'a fait de plus grands miracles toujours et ou qu'a fait un plus grand nombre. Combien de monde qui est d'accord avec ça? Donc pendant longtemps, je dis Seigneur, moi, monsieur, même sans tout capable de faire plus. Selon ça, me lit dans la Bible, capable de faire plus. Donc, qui problème qui gagne? Donc pendant des années,
me poser bon Dieu question ça. Et dans la deuxième semaine de jeûne, non, bon Dieu paraît avec question ça. Bon Dieu dit comme ça, ça fait longtemps. Ou a demandé pour qui ça? Ou pas de plus grande guérison manifestée et des miracles encore plus nombreux manifestés. Il dit, m'a répondu question ça à vous. Raison, hein, bon Dieu dit, c'est parce que vous utilisez, the Lord said, you're using the wrong tool. Bon Dieu dit, vous utilisez mauvais outils. Je dis, Seigneur, ça veut dire m'a utilisé mauvais outils. Et puis, bon Dieu, bral dit, yon bagay qui bral totalement choqué. Yon bagay qui bral totalement choqué. Bon Dieu dit, comme ça que moi pas de bail la guérison primordialement pour l'église. Il dit pas de bail la guérison primordialement pour l'église. Me saisis. Me dit Seigneur ça veut dire. Bon Dieu dit me commencer à regarder tout passage de l'écriture qui parlait de la guérison. Tout passage qui parlait de la guérison, c'est dans le contexte de la prédication de l'évangile. Cela veut dire dans le contexte de l'annonce de la bonne nouvelle. Donc chaque temps où est bon Dieu dit comme ça, ou toujours où elle dit que c'est dans Matthieu 10, que c'est dans Marc 6, que c'est dans Marc 16, que c'est dans Luc 9, etc., etc. Chaque temps où bon Dieu a parlé de la guérison, il dit, allez prêcher le royaume de Dieu. Et puis il dit, allez prêcher le royaume de Dieu, il dit, guérissez les malades, il dit, ressuscitez les morts, etc., etc. Mais il baille tout ça dans le contexte de la prédication de l'évangile. Et puis bon Dieu dit, mon bagage. Bon Dieu dit comme ça, bon Dieu dit, moi baille le ministère de guérison primordialement comme un signe pour les inconvertis. Moi baille la puissance de guérison primordialement comme un signe pour les inconvertis. Donc c'est un signe qui accompagnait la prédication de la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Maintenant, soudainement, je viens comprendre un bagage. Parce que pendant longtemps, dans l'église là, nous discutons ça entre nous. Nous t'es toujours connus. Et moi, je même dit ça une fois dans 40 jours, dans les derniers 40 jours là. Je t'ai toujours remarqué ça. Même pas que j'aime vraiment prendre sens. Je t'ai toujours remarqué que là où on a fait événement, depuis nous fait une bonne campagne d'évangélisation, de mobilisation chez les inconvertis, depuis nous inviter inconvertis vini, toujours gagner de grands miracles qui manifestaient. Ça, c'est le premier bagage que je t'ai noté. Et deuxième bagage que je t'ai noté, non seulement l'ont évité des inconvertis venus, de grands miracles se manifestent, mais quelquefois, en pile fois, premier monde qui recevait miracle, nous ne pouvons pas remarquer ça. Premier monde qui recevait plus gros miracle, c'est moun qui est converti quelquefois soit yo à peine converti ou bien yo converti gagne qui vient recevoir miracle sans après a ba Jésus la vie comme sauveur personnel. M'pa konti m konn wè ça quelquefois on a fait témoignage là gagne quelque moun qui a témoigné pendant moun a témoigné mais l'on va garder langage li ou est-ce pour moun qui même fin trop
Où est ce monde qui peut avoir racine dans l'évangile? Et puis semble ce monde ça qui recevoir plus gros miracle. Gagnons servante, je ne sais pas qu'on est peut-être s'il peut-être capable à soi. Je me songe là nous t'es dans 125 lames pour les premiers 40 jours que nous t'ai fait. Li t'ai gagnons seul en France qui t'étendait t'a fait 40 jours de jeûne et puis seul là relel. Et puis dit qu'on ça 40 jours de jeûne qu'a fait pour qu'ils soient pas allés. Li rentrer l'église là. Service bral commencé, il était à peu près 7 heures et quelques. Il était un problème dans son pied. Côté il t'a boité sous pied. L'anique rentré l'église là. Même moment, c'est quand il y a un tourbillon. Pas contre celle-là. Est-ce que c'est avant ça là? She's in cleaning ministry. I don't know if she's here. Mais en tout cas, rentrer l'église là, c'est là ni rentrer l'église là, pas gain prière, pas gain adoration, pas seulement prière d'introduction qu'a fait, mais pas gain prière de guérison, pas gain rien de spécial qu'a fait, c'est le sa sœur Romani a fait prière d'introduction pour commencer service là, là il mettait pied en dans l'église là, mettait pied dans l'église là, il sent son tourbillon qui prend le virer, il blip tomber à terre, les lever, pied quitter, puis coude passer l'autre là, même moment il vient même longueur et puis mademoiselle marche. Kounia, c'est l'en service. L'un relé pour le témoigner, l'a témoigné. C'est le salat dit nous. C'est catholique lié pour que j'aime, li pour que Jésus la ville. C'est un monde qui est invité, li met pied dans l'église pour la première fois, li pour que Jésus la ville. C'est un après l'alba Jésus la ville. Et soudainement, parole l'a frappé. Bon Dieu dit comme ça que le ministère de guérison, primordialement, ça ne veut pas dire que bon Dieu n'a pas qu'à faire dans des cas exceptionnels, mais primordialement, c'est un instrument, c'est un outil pour la prédication de l'évangile. Donc c'est ça que fait dans les croisades, où est un pile monde qui est en danse guéri. L'on va faire croisade d'évangélisation, trois croisades en tant qu'évangéliste. Les pasteurs Benny Hinn, Reinhard Bonnke, etc., où est de grands miracles manifestés parce que primordialement, ils sont évangélistes. Et bon Dieu dit, le tabernacle de gloire lui-même commence à faire sortir d'évangélisation à travers le monde pour prêcher l'évangile hors de ces quatre murs. Et puis nous commençons à organiser des croisades un peu partout à travers le monde pour toucher des inconvertis. Nous voyons des miracles manifestés que nous n'avons jamais imaginés dans la ville. Est-ce que l'église comprend ça, Mabdiya là? Si vous comprenez ça, Mabdiya dit gloire. Regardez-moi qui contrôle là, dit préparez-vous parce qu'on va le missionner. Pour aller en saison missionnaire qui va le venir tout à l'heure. Bralgon saison missionnaire. Levez-moi à l'air, dis gloire. Le commencer un peu partout, ou saisi. Le n'a fait des croisades un peu partout à travers le monde, ou saisi pour la gloire de Dieu à manifester. Je pense que ça c'est bon moment. Pour tout annoncer nous ça, jeudi à ce qui date. Jeudi à ce 8 novembre. Bonne nouvelle nous avons pour vous. Nous avons serré pour l'anniversaire ce qui n'a pas de jour. Et puis dans ce qui n'a pas de jour, encore on va prendre pause ou pas de jambes tendues. Mais à partir du 1er novembre, nous commençons, Radio Télé Chekina a commencé à retransmettre par satellite. Nous commençons à retransmettre par satellite. Donc, nous avons Radio Télé Chekina. Nous couvrions bon partie de continent Afrique là. Donc, il y a 45. Attendez ça. Dans le moment où nous parlons là, il y a 45 pays dans le monde. Cap gardé radio télé Chekina en direct. Levez-moi à l'air, dis gloire. Ça veut dire, dans le moment où on a parlé là, Côte d'Ivoire a gardé, Bénin a gardé, Angola a gardé, Afrique du Sud a gardé, l'île Maurice a gardé, Madagascar a gardé, Ghana a gardé, Nigeria a gardé,
Et j'en passe. Levez-moi à la dit gloire. Donc, nous avons 45 pays dans le monde qui nous retransmettre par télévision sur Kounia, qui couvrit 100 millions de personnes. Levez-moi à la dit gloire. Dis gloire! Dis gloire! Ça, c'est une porte que bon Dieu ouvrait pendant 40 jours que nous avons fait année ça. Bye l'éternel, un bel applaudissement pour ça. Donc, ça veut dire, moment bral vini tout à l'heure. Moment bral vini tout à l'heure. Côté bral, tabernacle de gloire, pour voyager un peu partout à travers le monde, faire des croisades. Râler nom pour Jésus. Est-ce qu'on entend ça m'a dit là? Râler nom pour Jésus, restaurer nom pour Jésus, sauver nom pour Jésus, implanter tabernacle de gloire un peu partout à travers le monde pour l'évangile faire chemin. Sous comprendre ça me dit à dit gloire. Dit gloire. Donc bon Dieu dit que niveau de miracle que on attend non, c'est pas nécessairement et pas nécessairement dans service dimanche matin qu'on boit l'oeil ou même dans les quatre murs qu'on boit l'oeil. Il dit allez prêcher l'évangile et puis il dit guérissez les malades, ressuscitez les morts, purissez. Il dit là où commencer allez ou saisir pour voir comment puissance va le manifester, parce que la guérison c'est surtout un outil pour l'évangélisation. Maintenant, me poser bon Dieu en question. Me dit Seigneur, si la guérison c'est pas primordialement pour nous, qui provision qu'on gagne pour nous? Entendez ça. Bon Dieu dit comme ça que bon Dieu dit la guérison c'est pas yon bagay que m'bay primordialement pour les chrétiens, m'baili primordialement pour les inconvertis, pour yo ka konnen réel, pour yo ka bay la vie à moi-même. Li dit ça m'baï pour l'église là, c'est pas la guérison, c'est la santé. Li dit provision pour l'église là, m'baï l'église yon bagay qui pi bon. Passer la guérison. Aïe, 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 aïe. Pour moun qui est converti, pour moun qui est converti, li dit, allez, prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Ça, c'est pour moun qui est converti. Mais pour moun qui est converti, li dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois un bon... Comme prospère l'état de ton âme. La santé, puis bon, passer la guérison. Sous guéri, ça veut dire que tu es malade. Sous en santé, ça veut dire que tu n'es pas malade. Aïe, 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 aïe. Ya 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 ya, ma prépon, ma prépon, ma prépon, ma prépon. Sous guéri, ça veut dire que tu es malade. Mais sous en santé, ça ne veut pas malade. La Bible dit, les enfants d'Israël, ils ont passé 40 ans dans le désert. La Bible dit, souliers, yo, pas de jambes chirées. Radio, pas de jambes chirées. Et puis la Bible dit, pas de anken qui était malade parmi eux-mêmes pendant 40 ans. Pas de anken qui frappait par la maladie. Levez-moi en l'air, dit santé divine. Dis 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 santé divine. Le Jean, l'apôtre Jean écrit. Le Saint-Esprit écrit par l'apôtre Jean. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Ça veut dire, un besoin ou vivre dans une dimension, quand on n'a pas même besoin de guérison même. On va attendre ça, pas tout là.
Vous m'entendez ça, Mabdou là. M'besoin arriver dans une dimension. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Est-ce qu'on avait et sois en bonne santé. Sois en bonne santé, on n'a pas besoin de guérison. Il dit provision que me fait pour l'église, c'est la santé divine, la santé surnaturelle, la santé qui vient de Dieu. La santé côté l'Éternel te dit Israël, ou gado, ou est maladie tombé sous Égyptien, il dit yo pas tombé sous. La santé pendant tout Égyptien avait malade et puis ou même ou grand santé. M'déclare santé divine sous. M'déclare santé surnaturelle. M'déclare santé de l'Éternel sous. M'déclare santé que sorti dans le ciel là sous. Sous recevoir, dis-moi recevoir. Kounia, mais l'autre bagaille, mais ça, bon Dieu, Braldim, qui est tourné encore. L'idim, la guérison, c'est une provision primordialement pour les inconvertis comme un outil d'évangélisation. Ça ne veut pas dire que le baka guéri un chrétien, mais c'est pas l'idée primordiale. Primordialement, le bail pour les inconvertis, mais ça, le tarim est pour petit li. C'est que petit lui marchait dans la santé divine, la santé surnaturelle. Ça, c'est provision. Mais qui ça, bon Dieu, bal dit? Bon Dieu dit comme ça, mais problème qui gagnait dans l'église, c'est que mes enfants ne connaissent pas et ne respectent pas les lois de la santé divine. Il dit, moi-même, volonté pour petit moi, c'est pour marcher dans la santé. Mais il dit, problème qui gagne, petit moi, yo pas connu les lois de la santé divine. Et ça connaît quelques lois, yo pas respecté ces lois. Et soudainement, toute qualité de maladie, vin prend pied parce que soit yo pas connaît loi yo ou bien pas respecter loi yo. Donc soudainement bon Dieu commencé pendant tant de jeunes ça, bon Dieu commencé parler avec même par rapport aux lois de la santé divine. Les lois de la santé divine. Chers amis, il faut comprendre yon bagage au sujet de bon Dieu. M'té prêché yon message sous ça des années de cela. Moi, te dis un bagage qui est fort. Bon Dieu fait miracle. Attendez, oui? Bon Dieu fait miracle. Mais il pas gouverné le monde par miracle. Il est gouverné par principe. Ma petite au printemps pour penser. Ma petite au printemps pour penser, ça me dit. Bon Dieu fait miracle. Mais il gouvernait le monde. Il fait miracle. Il compte faire miracle. Il ca fait miracle. Il fait miracle. Mais il pas gouverné le monde par miracle. Il gouvernait le monde par principe. Bon, bonne fois, ouais, ça dans la Bible. Vous ne pas penser que c'est moi qui ai inventé cause de Dieu. Somme 119. Versets 90 et 91. Somme 119, versets 90 et 91. En nous lit ensemble. Regardez qui ça le dit. En nous lit ensemble, il dit qui ça? De génération et génération, ta fidélité subsiste. Et puis qui ça le dit? Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Verset 91. Il dit, c'est d'après tes lois que tout, c'est d'après tes qui ça? C'est d'après qui ça? D'après qui ça? C'est d'après tes lois que tout subsiste. Depuis l'on a créé la terre, depuis l'on a créé le soleil, la lune, si on existait toujours, Kounia, il dit, c'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Car toutes choses te sont
assujetti. Ça veut dire. Ça veut dire, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pas de la terre, pas de lumière, pas de gagner. Et puis, bon Dieu, il campait. Et puis, il dit que la lumière soit. Et la Bible dit, la lumière fut. Bon Dieu dit que la lumière soit. Et puis, lumière paraît. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est un miracle. Mais après, le film dit que la lumière soit. Chaque matin, à 6 heures du matin, bon Dieu, pas campé dans celle-là pour dire que la lumière soit. Vois-tu moi. Première fois, il a créé le monde. Il dit que la lumière soit. Mais bon Dieu qui est intelligent. Donc bon Dieu pour un exode. Il n'est pas qu'à finir que la lumière soit. Et puis chaque matin pour lever, pour la dire que la lumière soit, il réalise le travail propre. Qui ça le fait? Il mettait des lois. Il mettait des lois dans l'univers qui fait chaque matin depuis 6h, 6h21, 6h23. Et pour garder le soleil à lever, la Bible dit c'est d'après des lois que depuis l'on créé le soleil là, chaque matin, il levait pour contre lui sans qu'on va dire que la lumière soit. Son loi qui fait ça. Il y aurait les lois de la physique. Les lois de la physique. Il y aurait ça, loi gravitationnelle. Gon loi qui fait soleil à lever. Le bon Dieu a créé l'homme pour la première fois. Il dit, créons l'homme. Faisons l'homme. À notre image et à notre ressemblance. Qu'on y a à peu près 8 milliards de personnes sur la terre, 8 billion people, chaque petit bébé qui va le faire, bon Dieu pas obligé de dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qui ça le fait, lui mettez une loi, que y aurait les lois de la génétique. Le yon homme prend sperme, li la gueule dans une femme qui ovule, li produit une petite, y aurait les lois de la génétique. Selon les lois de la génétique, bon Dieu pas obligé de dire, faisons l'homme à notre image, li établit loi. Et puis la terre continue. Il n'est pas levé chaque jour pour le dire faisons l'homme. Il établit des lois. Même Jean, ouais, il y a une loi qui fait soleil à lever. Il y a une loi, il y a des lois de la nature qui fait soleil à lever. Il y a une loi de l'agriculture. Qui fait l'or la gon grenate, li bo yon pied bois. Sou respecte l'or yo, Jean pour ouzel selon saison, selon soleil, et pour el bo pied bois. Gen l'or qui gouverne ça. Même Jean wè gen l'or qui fait que le yon homme entre dans relation sexuelle avec yon femme pendant yon période de temps, l'anovulation, depuis tout bagay passe bien, la vin produit yon timoun, gon l'or qui gouverne ça. Gen l'or qui fait soleil levé, gen l'or. Qui fait pied bois poussé, gen loi, qui fait petite fête, gen loi, qui fait moun vivre en santé. m'a pas entendu ça, m'a dit là. M'dou même j'en vois gen loi qui fait soleil à lever, gen loi qui fait pied bois poussé, gen loi qui fait. Mais gen loi qui fait yon moun vivre en santé et yon dans la Bible. Donc, il dit grand problème dans l'église, c'est que plus fort monde a prié pour un miracle. Et puis, toute loi que je pour la santé, qui dans la Bible, yo ignoré. Donc, bon Dieu dit comme ça, le grand problème, bon Dieu commence à parler avec moi, bon Dieu prend bon temps à parler avec moi, près de 2 semaines, à parler avec moi par rapport à ça. Donc, il y a une loi qui permet. Moun vive en santé. Quelle loi? Il y a des lois physiques de la santé divine. Quelle des lois physiques de la santé divine? Le sommeil, le repos, la nourriture. Est-ce que vous allez ça m'a dit là? Hein? Le mouvement. Bon paquet de lois qui dans la Bible. L'homme bon Dieu te dit qu'on ça va travailler 6 jours et puis qu'on joue après pour repos. Bon raison pour ça. L'homme bon Dieu dit manger quelque bagage, pas manger quelque bagage, bon raison pour ça.
L'homme, bon Dieu, dit, puis go fait excès de table. Puis go manger jusqu'à ce que tête ou vire au pis pour les tomber. Bon raison. La Bible dit éviter la gourmandise, mais bon raison. Donc, il y a les lois physiques. Bon raison. Le bon Dieu créé Adam pendant qu'il est dans le jardin d'Éden. Premier bagalibali, c'est la loi du travail. Bon raison. L'homme en mouvement, l'homme monte et descend. Bon impact, il fait ça. Est-ce que nous commençons à dire là? Bon Dieu dit, il y a les lois physiques de la santé. Après ça, il dit, il y a les lois psychologiques de la santé. Il y a les lois psychologiques de la santé. Gain quelque bagaille de pour gain en où li difficile pour vivre en santé. Lorsqu'on moun ki gamé fâché facile ou fait colère facile ou fait coup de sang facile ou pas gain patience ou gain moun nan cœur ça yo fait ou pas jamblié yo. Le bon Dieu dit qu'on ça pardonner l'autre moun. Bon raison pour ça. Gain les lois psychologiques de la santé. La Bible est le fruit de l'esprit, mais il y a l'amour, la paix, la joie, la patience, la maîtrise de soi, etc. Tout ça font un impact sur vous. Il y a la loi spirituelle de la santé. La loi de la parole. L'okoué parole, bon Dieu, qui impacte les gens sur vous. La loi de la foi. L'okoué, non seulement tant des paroles là, mon koué parole là, ils font un impact sur vous. La loi de la prière. Aïe, aïe, aïe. La loi du service. Nous avons lu récemment, yon livre. Côté, il y a montré yon série de moun fait. Et des médecins, chercheurs inconvertis. Des chercheurs inconvertis. Et puis qu'a fait recherche et puis yo rend yo compte youn nan bagay qui fait yon moun vivre en santé et vivre long c'est lorsque tande oui moun qui inconverti oui c'est le moun nan joine yon activité spirituelle et puis respecte le chaque semaine yo rend yo compte que et pas moun nan l'église non inconverti nan journal de la médecine avec écrit ça il a montré que yon moun qui connecté avec yon foi, qui gon activité spirituelle que la fête, li gen tendance moins malade et vive plus longtemps. Donc, il y a la loi du service. L'homme investit dans bon Dieu gen des protections. Donc, soudainement, bon Dieu dit mon bagay, bon Dieu dit plus grande provision me fait pour l'église là. L'église pas qu'on aime. Yo prié pour miracle, mais yo prié pour miracle là, les yo fin malade. Mais gen quelque loi, si yo te respecté, yo t'a marché dans la santé divine, yo pas t'a même malade, yo pas t'a même besoin prier pour miracle. Yo t'a prié pour moun qui est converti, yo t'a prié pour nan rentrer dans royaume nan, yo t'a prié pour moun vinn ba Jésus, mais yo pas besoin prier pour maladie encore parce que y a marché dans la santé divine. Moi déclarer santé divine mon Dieu sur la vie. Donc année prochaine, si Dieu le veut, nous en novembre. Mois prochain, c'est anniversaire Shekinah. Et à partir de janvier, si Dieu le veut, chaque temps nous gagnons une nuit de Shekinah, nous voulons faire deux bagailles. Nous avons toujours continué à prier pour guérison, évidemment, parce que il y a des croyants qui ont besoin de la main de Dieu touchée. Et qu'il y a des inconvertis qui ont besoin de la puissance de Dieu. N'a prié pour guérison. Mais avant de nous prier pour guérison, dans chaque soirée, ou pas chaque mois, l'un vini, nous voulons prendre un temps pour me parler de quelques lois bibliques de la santé divine. Combien de monde qui est d'accord avec ça? Combien de monde qui est d'accord avec ça? Combien de monde qui est d'accord avec ça?
avant de prier pour la guérison, je prends temps pour m'enseigner. Et ça fait, bon Dieu dit, you're using the wrong tool. Parce que outils pour l'église là, c'est pas loup à utiliser. Donc bon Dieu dit, ça tout le temps va faire service de guérison, yo li bien. Mais il dit qu'on ça résultat ou ta doué joindre ou joindre 5% 10% de résultat, parce que vrai résultat, vrai outil pour bon résultat, c'est connaissance de mes lois. Qui loi que mettez pour peuple moins marcher dans la santé divine. Donc pendant toute année prochaine, si Dieu le veut, chaque vendredi soir, avant de prier pour la guérison, nous prenons le temps pour nous garder différents lois dans la Bible pour nous marcher. Et soudainement, comme je dis, pendant l'année prochaine, m'a partagé un pile de bagages que bon Dieu te dit. Bon Dieu font bon courir derrière. Donc par rapport à un pile bagage. Non seulement bon Dieu ban moi pour l'église d'une façon générale. Bon Dieu virer sous moi sous caisse pas. Les moyens caisse pas. Parce que moi-même t'ai gon habitude. On tape, mettre rempli là, mettre bien tout bagarre là-dedans, pas grand rien qui intéresse que viande. Je vais me séparer, manger, m'a quitté Duria, m'a quitté Maria, m'a quitté banane, m'a quitté bagarre, m'a dit manger viande, net aller, et puis bisser. Et puis bon Dieu vient faire me comprendre que l'excès en tout. Donc, bon Dieu, commencez par là avec par rapport à un pile domaine. Et m'a conclu avec ça. Bon Dieu dit, raison fait me parler avant par rapport aux lois de la santé divine. C'est parce que mission, tabernacle de gloire, à peine commencé. Tout sort est tabernacle de gloire, fait là, yo. C'est entraîné, n'tap entraîné. Pour yon temps. Et là, bon, font-il pas la voix par rapport à ça. Et ça me très. M'a fait très attention avec Sam Abdoula. M'abdil même fait très attention à ça. Nathan, de jeunes que mon Dieu te relève, non? C'est pas dans nous tenir 40 jours. L'église là. Et puis bon Dieu dit comme ça, je voulais pour aller pour faire 40 jours de jeûne personnel. Après 40 jours là. Pendant nos 40 jours là, nous finissons 40 jours là, quoi. Le premier, il dit 3 jours plus tard, j'ai besoin d'un poste pour 40 jours de jeûne personnel. C'est l'homme prend avion et puis pour me rentrer à Haïti, c'est pendant un avion on m'a rentré. Et puis bon Dieu dit 40 jours ça, c'est avec l'eau seulement. Je fais l'autre 40 jours avant. Alors, je vous dis ça pour un peu de contexte. Je vous dis l'autre 40 jours avant, depuis en 2010, je fais différents 40 jours avec jus, avec sauce poivre. Mais pourquoi cette fois-ci, on va faire avec l'eau seulement. Non seulement, je dis avec l'eau seulement,
dans la première semaine, je m'a fait 40 jours là. Li voyé yon pasteur, yon pasteur, yon zami, que m'te rencontré pendant 40 jours de jeûne l'église là, que m'te rencontré pour la première fois, un mois avant. Monsieur était dans le pays en Côte d'Ivoire. Pendant le pays en Côte d'Ivoire, l'étendait, bon Dieu dit, rentrer en Haïti pour 3 jours de jeûne avec Pasteur Gray. Nous rentrer, 40 jours, nous commençons avec un jeûne d'Esther. Ça veut dire 3 premiers jours. Pas gain ni manger ni boire et puis reste. Et puis c'est le ça, puisque monsieur t'a fait type de jeûne ça y a déjà pendant là la bande un peu les lois des 40 jours. C'est le ça qu'on y a première fois bon Dieu t'a dit moi fais avec l'eau seulement. Et puis dans la première semaine là bon Dieu dit 40 jours ça, l'on fait 40 jours dans Jean bon Dieu, v'lil fait là. Non seulement ça avec l'eau, alors, il partageait 3 bagages qui étaient importants. Numéro 1, ou est pendant toute vidéo, Mbadjam dit c'est 40 jours de jeûne. Raison, hein, c'est pour moun panique levé à le copier. Parce que première loi, 40 jours de jeûne avec l'eau, faut bon Dieu convoquer. Ok. Vous avez ça? Faut bon Dieu convoquer. Faut bon Dieu convoquer. Ah, très sérieux. Quel n'a meilleur monde qui passe expérience là. Faut bon Dieu convoquer. Moïse fait, la Bible dit bon Dieu te relève sous montagne. Là. Jésus te fait, la Bible dit comme ça. Le Saint-Esprit de Dieu t'est conduit. Donc, moi-même, c'est parce que bon Dieu, absolument, bon Dieu t'a demandé ça pendant 40 jours là. Il dit me voulait et me connaît, c'est pas moi. Donc, bon Dieu dit moi ça, on va faire comme ça. Première loi, c'est pour bon Dieu relire. Il faut assurer, c'est bon Dieu. Faut assurer c'est bon Dieu vrai et faut avoir confirmation c'est bon Dieu. Parce que même ça le gagne. Type de jeune ça yo, si bon Dieu paraît Léo, ou qu'à rentrer, ou pas sortir. Nous t'étendons peut-être quelques mois de cela. Yon pasteur qui a fait 40 jours de jeûne qui mourit là-dedans. Nous t'étendons ça sur Facebook. Ok. Ça veut dire, si vous n'êtes pas convoqué par Dieu pour gagner assistance, quand vous êtes privé dans le type de jeune, c'est bon Dieu pour descendre qui pour avoir assistance. Pas. Donc, extrêmement important, son bagage qui doit, c'est une convocation de la part de Dieu. Donc, premier bagage, il dit, un, il faut assurer que bon Dieu convoque. Il faut le ciel convoquer. Deux, pendant 40 jours, ça veut dire, même Jean-Moïse était monté sous montagne là, et personne, pas toi, ou à rentrer dans le chambre, rentrer ou se rentrer, personne pas gagné de pas gagné sorti, pas gagné madame, pas gagné petite, pas gagné ami, pas gagné personne. Excepté, même Jean-Josué, Moïse était gagné Josué avec Araon, qui t'a pas assisté, excepté yon moun ka pote de l'eau pour, et même yon moun ka pote de l'eau pour, pas même supposé ouais ou même. Li mette de l'eau devant porte là, ou prend de l'eau à rentrer. Si yon besoin qu'on est survivant, yon est continent, ou répond si note. Lè nan première semaine, nan, bon Dieu dit, c'est ça m'bran le fait, m'en dit, qui ça m'bran là? Mande nan ki sa m'pran. Nan ki sa m'pran.
Mais étant donné, nous te gâtons en bataille et nous croyons que depuis ce bon Dieu qui relève, la fait route, la fait chemin, nous fait bon Dieu confiance. Est-ce qu'on a bien? Hein? Ma fin zou ke Claude Bagay, ma fin zou ke Claude Bagay en après. Mais, moi djou tout sa yo pour m'djou yon bagay que bon Dieu dit. L'homme rivé sous 30, à peu près 36e jour de jeûne. M'senti kakoum son moun ki bral, m'senti m'bral mouri. L'homme rivé sous 30e jour de jeûne. M'kwe pasteur yote dikte mouri, m'kwe sous 30e jour. L'homme rivé sous 30e. Et l'homme rivé m'senti m'pas capable encore. Et puis m'senti m'bral quitter ça. Non, m'a dormi et puis m'gade. M'a même quoi c'était un songe. C'est dans une vision. Et puis moi, y'a un personnage qui vient camper côté et m'connaît c'était Jésus-Christ. L'idim, prends courage. Laisse me dérêter 9 jours, donc 31e jour. 31e jour. L'idim, prends courage. Il dit, jeune, ça a quoi faire? Hein? Son seul fois mando pour faire. Au pape, j'ai besoin de faire type de jeune, ça a con ça encore. Et puis, t'as dit. Il dit, jeune, ça a faire là. Chaque jour de jeune, ça égale avec yon année de prière. Yon année de prière. Et puis il dit, ou gen 45 à Kounia. Jeune ça son jeune ou a fait qui pour couvrir ou juste dans 85 ans. 86. Donc bon Dieu dit, m'relo fait jeune ça parce que ministère ça. Bon Dieu, tu penses à m'relo pour jeune ça. Et m'parlo de santé divine. Parce que tabernacle de gloire a un pile année encore. Il a pour impacter le monde. Gambile, en pile. Année encore. Bon Dieu fait me comprendre, au moins nous gagnons 40 ans. Je ne sais pas qu'on a après 40 ans, ça le bras le fait. Mais bon Dieu fait me comprendre, au moins nous gagnons 40 ans, 40 années de travail qui est devant nous là. 40 années de travail. Donc, il dit ça pour année ça y est, cap vini, ou même ou bras le besoin. Et peuple moins bras le besoin la santé divine. C'est pas pour eux même non, c'est pas pour eux même non, c'est pour le royaume. Nam qui est pour sauver, monde qui est pour sauver. Faut nous en santé pour travailler sa fête. Combien de monde qui comprend ça? Sous comprendre ça dit gloire. Sous comprendre ça dit gloire. Sous comprendre ça dit gloire. Donc bon Dieu dit comme ça, faut peuple moins en santé, faut tabernacle de gloire, faut que Shekina, famille Shekina en santé, pour ça le bras le fait, à travers ministère ça, à travers chaque grain de monde là-dedans, à travers chaque grain de monde qui n'a famille, bon Dieu dit faut peuple moins en santé. Et soudainement, bon Dieu dit, mon bagaille pendant 40 jours, yo, tant de jeunes personnels que je t'ai fait, bon Dieu dit, comme ça que, bon Dieu révèle mon pile bagaille. Quelque bagaille m'a dit, quelque bagaille m'a dit. Mais, bon Dieu dit, tout ça, me révèle tout ça,
me révèle et tout ça ou a prié pour tête tout ça ou a mandé pour tête. Bon Dieu dit pendant 40 jours ça tout ça ou a mandé pour tête, il dit mandel pour où? Mandel pour famille ou mandel pour leader yo, mandel pour toute l'église là et puis mandel pour toute famille chez qui là. Vous avez samedi hein? Bon Dieu dit pendant 40 jours de jeûne ça yo, chaque prière fait pour tête tout. Fais-le pour tout le monde autour de vous. Fais-le pour l'église là. Et puis fais-le pour famille Shekinah à travers le monde. Parce que bon Dieu dit, quelle que soit grâce qui repose sous la vie, ou, si ou même ou en santé, leader yo pas en santé ou pas qu'a fait un pack. Famille ou pas en santé ou pas qu'a fait un pack. L'église pas en santé ou pas qu'a fait un pack. Famille Shekinah pas en santé ou pas qu'a fait un pack. Donc, il dit tout ça va demander pour vous, santé va demander pour vous, onction va demander pour vous, grâce va demander pour vous. Il dit tout ça va demander pour vous, demander pour tout le monde, parce que c'est ensemble pour nous faire un pacte pendant l'année qui a venu. Si vous comprenez ça, dit gloire! Dis gloire! Dis gloire! Dis gloire! Donc, soudainement, yon bagay me comprendre. Bon Dieu soudainement commencé à parler avec eux. Les dit ou même avec tout le monde qui autour de vous. Tout le monde qui autour de vous. Tout le monde dans l'église là. Tout le monde qui dans famille Shekinah qui connaît que bon Dieu relé pour faire un pacte. Bon Dieu dit tout le monde besoin prend santé yo au sérieux. Bon Dieu dit nous tout le monde, il dit nous commencer par vous même, passer par leader yo, virer l'église là, aller dans famille Shekinah, tout le monde besoin prend santé yo au sérieux. Parce que santé, ce n'est pas seulement pour vous lié, mais c'est pour vous dans lié. Ou une mission ou pour faire, ou une évangile ou pour prêcher, ou une âme ou pour porter à Christ. Quand pile bagaille bon Dieu voulait faire avec, mais sous cloué sous une cabane de l'hôpital, c'est difficile pour faire un pacte pour bon Dieu. Donc, toute année prochaine, si Dieu le veut. Donc, ça me vient de comprendre. Ça, c'était deuxième semaine. Non? Ça a été deuxième semaine. Bon, Dieu t'ai parlé avec par rapport à la santé. Et après ça, il vient de parler plusieurs autres bagages. Même vient de comprendre. Si bon Dieu est maintenant 40 jours de jeûne. Et puis, premier bagage, il dit me quitter toute bagage. Rentrer dans la présence, moi. S'il fait me quitter toute bagage pour mal dans la présence, lui. Et puis, premier bagage, il dit, c'est prendre santé au sérieux. Ça veut dire l'important pour lui. Ça veut dire l'important. Il y a l'autre bagage, il dit, m'a entré dans yo avec le temps. Mais qu'on appelle, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Comme prospère. L'état de ton âme. Levez-moi à l'aide. De l'éternel. Qui guérit tous nos maux de l'éternel qui guérit tous nos maux. Venez enfants de Dieu puisez plein d'allégresse. L'eau du salut a
à la source des eaux, racontez-les bienfaits, proclamez-la promesse de l'Éternel qui guérit tous nos maux, de l'Éternel qui guérit tous nos maux, de l'Éternel qui guérit tous nos maux, de l'Éternel qui guérit tout. Moïse t'est levé en Égypte. Moïse t'est levé en Égypte. Les Égyptiens, c'est une nation qui te connaît manger, qui te connaît manger mal. Les Égyptiens te connaît manger mal. D'ailleurs, une première nation dans le monde qui commençait à faire manipulation de la nourriture, etc., blanchi manger, etc., etc., c'était les Égyptiens. Ils étaient contre manger mal. Moïse t'est levé parmi les Égyptiens qui ont mangé mal jusqu'à l'âge de 40 ans. Tu as mangé mal. Les vignes font 40 ans dans le désert. Les monsieur qui ont à peu près 80 ans. Bon Dieu relève pour diriger le peuple. Et puis bon Dieu dit, ou qui 80 ans, ou à manger mal. Ou tu as mangé en Égypte, après ça, on continue à manger. Jean t'a appris à manger en Égypte. Là, monsieur est certain pendant le désert là, il continue à manger. Jean t'a quoi manger. À 80 ans, bon Dieu relève. Et puis il bat la loi. Et puis il dit, mais comment pour manger? Mais ça pour manger, mais ça pour pas manger, mais comment pour manger, mais comment? À 80 ans, monsieur apprend comment pour gérer manger. Monsieur vive jusqu'à 120 ans. Ça veut dire. Ça veut dire, il y a quelques vieilles maladies qui entrent sous nous. C'est à cause de certaines lois de la santé divine que nous violons, sans nous pas connaître. Sans nous pas connaître. Est-ce que nous avons même? Est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'on connaît? Selon la loi de Dieu, yon moun ta doué jeûner chaque jour. Ah, ça capte. Yon moun ta doué jeûner chaque jour. D'ailleurs, en Haïti, et qu'on s'en déconne faire, moun manger, depuis soleil couché, moun ponti la bouillie, après ça, venture vide jusqu'à demain matin. Et par contre, ça te déconne en Haïti. Ok. Selon Jean Bon Dieu, ranger organisme humain, mais bon certain le 6h 7h, faut ta fin manger. Ou pas ouais comment yore l'il premier manger matin, yore l'il qui ça? Déjeuner anglais yore l'il qui ça? Breakfast.
Ça veut dire, depuis le soleil a fini de coucher, you should begin fasting. Depuis le commencé fait noir, depuis le commencé fait noir, où tu as supposé commencer jeûner. Et puis le matin, l'on prend premier repas, you break the fast. Ou déjeuner. Donc comment ça m'a dit? Mais la minuit et demi, mon plat grillé devant. Service fini, mon plat grillé. Piclis. Et puis soudainement, on a fait ça pendant des années, des années, des années. Gon loi va briser. Gon loi va briser. Bon raison. Bon Dieu agencé. Il te fait organisme mais pour travail et puis gon le pour le reposer et puis pour le faire quelque travail. Donc ça veut dire gien quelque vieille maladie qui vient, c'est quelque loi qui brise. Mais la bonne nouvelle c'est que Moïse te gen 80 ans. L'œil commence à respecter les lois de Dieu. Et ça vient ajouter 40 ans sous la ville. Et la Bible dit comme ça que les monsieur a mouru à 120 ans, même Zuel pas de faible. Si je bien comprendre que tout dégât qui te commet dans le système pendant des années, l'œil commence à observer les lois de Dieu, il commence à renverser. Et me déclarer tout dégât qui fait dans le corps parce qu'on ne connaît pas la loi de Dieu. Me déclarer, c'est pour renverser au nom de Jésus. Me dit, c'est pour renverser au nom de Jésus. Toute maladie qui entrait par ignorance, toute maladie qui entrait par négligence, toute maladie qui entrait parce que pas connaît, c'est pour le ciel. Même ça a été fait pour Moïse là, pour le faire pour vous, pour le renverser au nom de Jésus. Levez-moi à la gloire. Après, bon Dieu finit par la même. Bat jam qu'on mange feuille. Bat jam qu'on mange feuille. Qu'on y a tellement mangé feuille, sous dit pasteur gars comment ça y est m'a dit ben. Mais pas dans la brille. Pas dans la brille. Son loi de la santé divine. Le l'Éternel créé l'homme, il dit, tu mangeras. Tu mangeras de tous les arbres du jardin. M'baou tous les arbres du jardin pour ta nourriture. Et la Bible dit comme ça, il a donné les fruits pour nourriture dans Ézéchiel. Et les feuilles pour la guérison des nations. Gon feuille ou à manger son gros médicament. Et c'est la Bible qui dit. Donc, année prochaine, si Dieu le veut, quand pile bagaille nous va le parler. Combien de monde qui est d'accord avec ça? Quand pile tout. Quand pile tout. Quand pile tout. Kounya là, là, je commence à entrer dans la parole 120 ans. Regardez mon Dieu quand on l'a dit 120 ans. Hey! 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 Je ne sais combien de monde qui est là-dedans. Je ne sais combien de monde qui est là-dedans. Je ne sais combien de monde qui est là-dedans. Je ne sais combien de monde qui est là-dedans. 120 ans. Nous là pour 120 ans. Là pour 120 ans. 120 ans. Le bébé à la dit gloire. Dis gloire. Dis gloire.
ou pas qu'on vive moitié la vie, ou pas dans la vie là là. Ou pas qu'on vive moitié la vie, ou pas qu'on vive moitié la vie, ou pas qu'on demande la vie, ou pas qu'on vive moitié la vie. C'est pour bon Dieu faire, sous d'accord, ça dit gloire. Yes. Yes. À 100 ans, nous avons un gamme. Nous avons toute mémoire, nous sous nous. Alzheimer a cherché. Aïe, aïe, aïe. Alzheimer sorti sur route, moi. Va dans un amdou là là. Amnésie sorti sur route, moi, au nom de Jésus. Parkinson disease, elle fait route, au nom de Jésus. Maladie cancer, elle fait route, au nom de Dieu. Le démon, elle a dit gloire. Chers amis, attendez. Où est-ce que je dis ça? Pas penser que c'est propagande n'a fait, non? La Bible dit, l'Éternel dit, je ferai comme tu as parlé à mes oreilles. Lorsqu'on commence à prononcer parole ça, ou à saisir, pour sortir à ces paroles ça, l'Éternel ou non? Je me souviens, madame, moi toujours bah, témoigner à sa grand-mère. Li. Grand-mère, lui dit, le la pleuve la ka grand-mère. Lui songeait, grand-mère, lui te kon toujours dit, m'bagé doit vivre, yon gren jou nan vim, pour bon Dieu pas prendre soin. Lui dit, m'bagé doit vivre, yon gren jou nan vim, pour m'bagé manger, pour manger. Grand-mère en Haïti, lui dit, m'bagé doit lever un jour pour m'bagé manger. Il dit d'ailleurs, m'a tellement gagné manger, il dit comme ça, m'gué pour mourir avec manger dans bouche moi. Madame m'a dit depuis le petit temps des grands-mères, elle a dit moi pour m'bagé manger, il dit m'gué pour mourir avec manger dans bouche moi. Et puis il dit les grands-mères très avancées en âge, etc., viennent mourir vrai, c'est un jour pendant y a bal manger, y a manger dans bouche li, et puis yo rend yo compte que manger a pas descend, et puis yo wè c'est mourir mourir. Li te dit bon Dieu, c'est pour mourir avec manger dans bouche li, bon Dieu fait le mourir avec manger dans bouche. Dégage, oui, dis-moi la bouche en 20 ans. Hey! La bouche en 20 ans. La bouche en 20, la bouche en 20, la bouche en 20. Satan pas mourir avant l'air. Aïe aïe aïe, je ne vais pas mourir avant l'air. Quand ça va mener mal, diabète va mener mal, maladie qui va mener mal, cholestérol va mener mal, amnésie va mener mal, Parkinson va mener mal, Alzheimer va mener mal. Levez-moi, allez, dis gloire. C'est pour mon fin faire tout travail, bon Dieu, je me fais. Et puis, l'aime fatigué vivre. L'aime fatigué vivre pour me dire même genre avec Siméon. Maintenant tu laisses ton serviteur aller en paix car mes yeux ont vu ton salut. Sous quoi elle dit gloire. Shekinah app, téléchargez-le, Kounia.